Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil de tireur d'élite. Alors le fusil de tireur d'élite, c'est tout simplement cette arme que vous voyez juste ici. C'est une nouvelle arme qui est arrivée depuis la saison 3 de Fortnite. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous en procurer une. Alors les emplacements de cette arme, c'est tout simplement posé au sol comme ça sur la map de Fortnite, vous pouvez en trouver. Et vous pouvez les trouver dans des coffres normaux aussi et des coffres rares bien entendu. Donc voilà, dès que vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts aux adversaires. Après, vous pouvez infliger des dégâts contre des loups. Normalement, ça fonctionne contre les loups. Je leur mettrai ma main coupée. Donc, si vous croisez un loup, n'hésitez pas à le faire, à leur tirer dessus avec l'arme pour infliger 200 de dégâts et terminer le défi. Sinon, si vous ne trouvez pas de loup, il faudra tout simplement infliger 200 de dégâts aux adversaires dans la map pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuloMec et ciao. Peace.